Ok, donc nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de donc sur Alpha Centauri dans les donc la saison s'appellera donc le gouverneur planétaire, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler cette série. J'ai réduit un petit peu le son du jeu. Non, attendez, non, j'ai dit que je le ferai en fait. Donc je vais le faire. C'est où je Alors, préférence audio et visuelle. Alors, attendez. Voix d'activité, on va changer. On va réduire au moins Allez, au moins au tiers. Les effets d'activité, pareil. Parce qu'en fait, il faut pas que je coupe les. Comment? Les ouais ça me paraît bien ça comment les animations parce qu'évidemment voilà attendez bon j'espère que ça sera plus convenable comme ça. Moi personnellement j'entends plus grand chose, j'ai vu que ça s'entendait fort. Écoutez, de toute façon, je vais tourner un épisode comme ça et puis on verra bien. Alors, fin du tour. Ok, force de défense des citoyens par Morgane. Ok, d'accord. Morgane, il prend de l'avance aussi, lui. Attendez, je voulais voir où on était. Non, pas le diagramme, le tableau. Voilà. Ouais, donc c'est. Lady Dedre, hein, qui est. Oh, excusez-moi, mais non, moi j'entends mal le jeu, donc j'ai peut-être dû trop réduire. Va mettre de moitié, on verra bien ce que ça dit. On va réduire de moitié, on verra bien ce que ça donne. Ok. Alors, on en est où? On en est où? On en était donc, on voulait ça, donc accélérer le plus rapidement possible. De façon à ensuite attaquer LAL, qu'on puisse en finir avec LAL rapidement. Qui a osé donc nous espionner, hein, je le rappelle. D'examiner Ouais, lance soigneusement l'attaque, c'est les bon. options qui s'offrent à vous. Ah, c'est quoi ces unités? Attendez. Ah merde, c'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes qui sortent de là-dedans. C'est pas les missiles artillerie que je veux, c'est les. KO Squad, voilà, c'est ça que je veux. Ouais, non. Ok. Et ça, par contre, ce sont les bons. Ce sont les KO Squad. Et ça sort d'où ça? Ça sort de là. Et KO Squad, ouais, c'est ce qui en sort. On est d'accord. Ok. Ouais, donc toi, de toute façon, t'attends. Toi, ouais, bah toi, tu vas pas m'aider à grand-chose, mais bon. On va quand même t'envoyer sur le front. Et toi pareil. Production terminée. Ok. Commencez avec une fonction de complexité arbitraire. Entrez les valeurs pressentez les données, puis prenez votre résultat, mettez-le au carré, et remettez-le dans la fonction initiale en y ajoutant un nouvel ensemble de données pressenties. Continuez à entrer les nouveaux résultats obtenus dans la fonction initiale à l'infini. Qu'obtenez-vous? Le principe fondamental de la conscience humaine. Académicien Prokhor Zakharov, le principe rétroactif. Ouais. Alors, algorithmique présensible. Je connais pas trop ce principe, et pourtant l'algorithmique, je connais, hein. Alors, énergie de fusion, mécanique des probabilités.
c'était vol spatial orbital. C'est quoi ça? Comment c'est une fonction complexe arbitraire? Entrée les valeurs. Présenter les données, puis point vecteur, avoir un résultat. Mettez le carré. À voir, à essayer dans un programme. Non, on prend un programme, on l'élève au carré et on remet des. Ouais, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on met comme données. Bon. Ah bah oui, bah évidemment, hein, moi, étant donné que je suis développeur, dès qu'on parle d'algorithmique, ça Production m'intéresse. terminée. Enfin bref. C'est quoi ça? Laisse-moi sortir. Ouais, bah oui, bah tu vas y rester en sécurité. On va voir si là, on arrive quand même à avoir un pacte avec lui. Ah, attends. Ouh, intéressant. Il nous fournit une carte de la ruche en échange de 50 crédits énergétiques. On va accepter. Va voir si on peut pas avoir un pacte avec lui. Pour éviter que je vous écrase comme un vulgaire insecte. Non, on lui posera un ultimatum quand j'aurai assez d'armées ici. En plus, je suis sûr qu'avec une seule de mes unités. Ah ouais, non, il m'en faut au moins trois. Il me faut au moins trois unités. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ok, on change de programme là. On change de programme. Eh oh! On va carrément changer de programme là, parce qu'il y a une base de la ruche qui s'est ramenée là-bas. On va d'abord s'occuper de la ruche. Rebonjour MDG Normandie. Il est devenu habituel qu'un dirigeant de faction. Non mais genre, elle me demande 300 crédits énergétiques, j'arrête de gratter. T'es sérieuse là? T'es sérieuse? Tu sais à quoi tu t'attaques là? Bon bah. Je crois que je vais devoir y casser sa gueule. Ah ouais, ok. On va un peu déclarer l'état d'urgence. Hein. Alors les liaisons de données planétaires, on va quand même essayer d'accélérer ça. Confirmation demandée. Ok. Après, Kawaii Squad. À fond, à fond, à fond, et ça sur toutes les bases. Confirmation demandée. Oh la vache, ça me coûte une blinde. Bon, ok, donc ces deux bases-là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre base? Là, ici, c'est des Kawaii Squad aussi, pas besoin. Ici. K.O. Hydroclisseur, ouais je veux bien mais non ce sera des escouades. Allez, hop. Donc là ça commence un petit peu à chauffer. Hein. Est-ce que je peux accélérer? Énergie insuffisante. Un peu, mais pas grand chose. Hop. On va voir ce que ça donne. Circulation des informations est le seul rempart contre la tyrannie. Les peuples, autrefois enchaînés, dont les dirigeants ont enfin perdu leur emprise sur le flux d'informations, vont bientôt déborder de liberté et de vitalité.
mais la nation libre qui restreint progressivement le discours public. C'est pas vrai, j'ai pas encore vérifié l'enregistrement, je suis désolé, ça a dû couper en plein milieu de la cinématique, je crois. Production terminée. Bon, nos ancêtres même pas ont domestiqué la puissance d'un soleil, et nous en ferons autant. Ok, laboratoire de fusion. La science de nos Alors, au cas où ça aurait coupé et que j'aurais pas vu, Sœur Myriam m'a déclaré une vendetta, donc je m'en vais y casser sa goule. Pas plus tard que là, tout de suite. La puissance aérienne repose à l'apex de la première triade de victoire. Amélioration. Ouais, excusez-moi, j'ai passé. Ok. Alors, normalement, si tout se passe bien, parce que c'est pas toujours comme ça, normalement, quand on prend une base, généralement, le dirigeant contre qui on est, pète un câble et puis, ben, il abandonne, souvent. Donc on va prendre la base Terre Sainte, on verra bien ce que ça donne. Sachant qu'elle a quasiment aucune chance. J'ai des unités super développées comparées à elle. Elle a quasiment aucune chance. Ok, j'y prends sa base, c'est bon. Aucune chance, elle a aucune chance. Allez, passe-la moi. Non, elle propose de traiter mais contre 75 crédits énergétiques. T'as aucune chance, dégage. Bah, j'ai pas récupéré la base. Ah, j'ai pas dû activer la récupération de la base. Oh, ça peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options. Ouais, vas-y, lance la tête. Oui. Ordre du jour, part commercial global. Bah, oui, mesure rejetée. Bon, ok. Amélioration détruite. Population maximale atteinte. Normalement, on est censé conquérir les bases, mais là, apparemment, non, c'est des trucs. Pour les résidences privées de l'académicien, resteront interdites. On va la garder en sauvegarde parce que je n'ai que 3 unités là. Ok, on va se diriger vers le trône de Dieu alors. Celui-là, c'est pareil. Amélioration détruite. Qu'est-ce qu'il fout le gouverneur là ? Ouais, mais même il me faut des escouades, moi. Ah, ils sont où, mais. Infanterie, voilà. Allez, hop. Peut-être feriez-vous bien d'examiner ouais, les options qui s'offrent à vous. Amélioration détruite. Oh, merde. Oh, tant pis, on continue. Elle est en train de provoquer des émettes. J'ai pas vu Amélioration détruite.
Bon, j'ai des émeutes de droïdes, mais bon. Attends, il est où, lui? Parce que j'ai toujours aussi la ruche qui est là-bas. Je vais en envoyer aussi sur la ruche, là, parce que... Peut-être feriez-vous bien d'examiner sérieusement les options qui s'offrent à vous. Ok, et puis je prends le contrôle du trône de Dieu. Vas-y, passe-moi là. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Elle veut même repasser en traité. Allez. J'espère que t'auras pas intérêt à venir me réemmerder. On va laisser l'unité ici. Celle-là, on va la ramener directement sur la tronche. Voilà. De la ruche. Celle-là, je pense qu'elle aura le temps de se régénérer entre deux. Élire le gouverneur planétaire. Bon, c'est bon. Attendez une minute. Soutenir Saint Myriam. D'accord, donc elle propose. Ouais, de toute façon, je m'en fous, j'ai gagné dans tous les cas. Pas besoin de. Pas besoin. Parce qu'on peut, oui, en cliquant, on peut corrompre également les votes. Population hein, évidemment. Maximale atteinte. Ouais. Bon, on va changer ça. Ils ont besoin d'infrastructures apparemment, donc on va. Plus de droïdes, c'est pas une solution. Sœur de punition, ok, nickel. Effacer. La sphère de punition, c'est ce qu'on mettra plus tard. En attendant, on va mettre le tank énergie, ferme abricole. Ok. Et ça, on va changer pour. Sphère de punition. Et ça, vous pouvez l'accélérer. Non, trop cher. Ok. Ah, déplacer l'unité vert. Émeute de droïdes. Ouais, ici donc ça continue. Confirmation bon, demandée. Bon, normalement là devrait plus y avoir d'émeute ici. Enfin, pour un bout de temps quoi. Des patients endurer un traumatisme psychologique permanent en présence de la sphère, avant même que la ligature neurale ait été mise en place. Son effet sur la conscience culturelle générale est profond. Des époux ont vu leur famille entrer, et des mères leurs enfants. Le docteur Xinan a laissé la surface de la sphère semi-translucide pour une bonne raison. Vous pouvez les y entendre, vous pouvez aussi les voir. C'est une chose d'une terrible beauté. Baron Klim, la musique des sphères. Ouais, un peu morbide. Je relance l'enregistrement pour la troisième partie. Voilà. Alors, les émeutes de droïdes sont terminées. Ouais, tu m'étonnes. Forme de vie indigène. Tu m'étonnes que l'émeute de droïdes est terminée. Ouais, je reviens de le remettre sous les yeux. Ok, donc ça, on va hop. Déplacimité vert. On m'a souvent demandé, puisque nous avons voyagé entre les étoiles, pourquoi ne pouvons-nous lancer la plus simple des sondes orbitales? Ces imbéciles n'arrivent pas à comprendre la difficulté à trouver sur cette planète les matériaux appropriés à développer les puissances suffisantes et à créer les infrastructures nécessaires au soutien d'un tel effort. En bref, nous avons lutté dans les limites d'une société coloniale sur une planète vierge, jusqu'à maintenant. Colonel Corazon Santiago, planète guide du survivant. Ok. Alors, non, on s'en fiche. Ok. Je squat toujours. On les déplace là-bas. Il devrait y en avoir qui vont pas tarder à arriver d'ailleurs là-bas. Passe-la moi. Bonjour Gaïa.
Alors, soit je lui demande de payer 255 crédits, soit de me passer une de ces technologies. On va demander la technologie. Un vaisseau à la mer est un monde en soi. Être le capitaine d'un vaisseau, c'est être le souverain incontesté de ce monde. Cela exige toutes les qualités de commandement d'un prince ou d'un ministre. Colonel Corazon Santiago, le commandement est la mer. Ok, donc normalement ça devrait nous permettre de développer des transporteurs plus rapides. Voilà, fusion croiseur transporteur, voilà, qui peut transporter 8 unités. On va pouvoir utiliser ça. Et est-ce qu'on peut justement ça les améliorer? Impossible d'exécuter cette non, on peut pas. Ok. Le reste on accepte. Production terminée. Ça, hop, ça encore sur la tête de la ruche. Projet ennemi déclenché. Les Gaïens, le centre de contrôle maritime. Production ah oui, c'est vrai que terminée. J'ai plus de comment. Donc là, résultat, j'ai plus rien qui change. Hop, alors. Algorithme du chasseur-chercheur. Ouais, ça c'est intéressant ça. Là, on va prendre projet ça. Déclenché. On va faire l'accélérer. Ok. Le train du jugement, il m'embête un petit peu. On va voir si. Ouais, non, de toute façon, on n'est pas en pacte de fraternité, donc on peut même pas. Population maximale atteinte. Ouais. Projet ennemi déclenché. Ce tour est terminé. Alors, ici, on va développer quelque chose d'autre. On va changer, on va mettre les fameux croiseurs. Les fameux croiseurs transporteurs, voilà, fusion transporteur, et on va en mettre quelques-uns. Pas beaucoup, hein, on n'en a pas besoin de beaucoup, mais voilà, et on va, je pense que 4 au total, ça devrait aller. Fin du tour. Oula, ouais, il m'embête lui. Enfin, elle m'embête elle. Voilà. Production terminée. Jusqu'à une période récente, la soie d'araignée avait la résistance à la traction la plus élevée de toutes les substances connues de l'homme. Et c'est pourquoi le nom acier soie rend hommage à l'arachnide. Préfet Pravin Lal, étude scientifique pour les Nations Unies. Ok, l'alliage d'acier soie. Ok, et c'est bon, on arrive près des. Hop. Et lui, bah, pareil, on va l'amener là-bas. Ouais, vas-y. Il veut que je me retourne contre l'AL, c'est prévu, mais non. Excusez-moi. Voilà. Fais au pire. Mais fou, tu vas prendre cher. Rapport de combat. Ok, il y a une Caps Colony là-bas. Ouais, alors ça, pour le moment, on va mettre ça. Je
Oh, est-ce qu'on met ça là? On peut mettre ça de façon intelligente. On va mettre ça là. On verra bien ce que ça donne. Ouais, attends. Parce que ça m'a cliqué. On va mettre ça là. Population maximale atteinte. Rapport de combat. Hop, et c'est bon. Ok. Et j'ai conquéri donc la base. Je comprends pas pourquoi l'autre base a disparu, mais bon. On est d'accord. Peut-être parce qu'elle a essayé de ressaisir après la base, et étant donné qu'il y avait deux unités en même temps, ça a peut-être détruit la base, j'en sais rien. Ok, donc on va changer, on va tout de suite mettre une formeuse. Une formeuse. Donc oui, hein, donc on a les autonomes fusion destructeurs de planètes, donc c'est les bombes atomiques hein, en gros. Je m'en sers pas parce que si on s'en sert, c'est considéré comme une atrocité. Donc on se met tout le monde à dos. Hein. Si on fait des atrocités sans avoir levé la charte des États-Unis avant, c'est la merde assurée. Moi ce que je veux, c'est les formeuses. Fongicide. Fusion formeuse, voilà, c'est celle-là. C'est bizarre pourquoi j'ai deux fois fongicide, fonction mère. Bon, ça fait un. Hop, on est parti. Donc il me faut ça. Et après, on va partir sur de l'infrastructure, je pense. Ouais, allez, ok. Et j'ai dit que on chargeait là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Allez. Non. Ok. Donc elle me refait le coup. Bon, on va s'occuper de son cas, c'est pas un problème. Ici, on va activer une unité et on va déjà reprendre le contrôle de Grand Conclave. Voilà. Non, bah apparemment elle a. Je sais pas. Sais pas, apparemment quand on essaie de prendre ses bases, elle. Ouais, non, ça on va quand même le garder. Ouais. Ouais. Ton dédié ne m'appartient jamais. Non. Je me la fais. Peut-être feriez-vous bien Lance d'examiner l'attaque. soigneusement les options qui s'offrent à vous. Forme de vie indigène. Uniquement les unités combattantes. Bon, bah, tant pis. Amélioration détruite. Hop, voilà, excusez-moi, ça a dû couper en plein milieu de la Production bagarre, mais terminée. j'ai pas perdu, donc tout va bien. Se dilate à l'approche de la vitesse de la lumière, au point que la lumière se compose de particules. Elle est à sa manière intemporelle. Grâce à de simples perturbations de la variation temporelle, nous pouvons réfracter ou repousser les photons très efficacement. Académicien Prokhor Zakharov, maintenant nous sommes seuls. Ok, excusez-moi, mais c'est la fin de l'épisode, il me semble. Production Je terminée. vérifie parce que j'ai du mal là, avec là, toi tu vas rester. Non, toi tu vas partir, toi. Attendez, je termine juste ce tour et puis. Et puis je vérifie si c'est bel et bien la fin de l'épisode, mais il me semble, hein. Attendez, je suis où là? Ah bah non, attends, et oh, c'est pas fini. On va attaquer sur plusieurs fronts en même temps. On verra bien ce que ça donne. Ah,
positif, ça passe. Amélioration détruite. Ok, attendez, je vérifie juste. Ok, donc c'est bien ça. Bah écoutez, donc on se retrouvera à l'épisode 6, et je vous dis à bientôt.